Hello à tous, c'est le Kiteru, bienvenue pour le 18ème épisode de Super Mario Odyssey. 18ème épisode, auparavant, nous avons infiltré le pays de Bowser. Et là, nous avons battu les deux derniers restants Blue Dolls. Et là, maintenant, nous allons aller tout là-haut. Ok, c'est parti. Ok. 15 minutes pour arrêter tout en haut, j'imagine. Non, 10 minutes, je pense. Je pense que c'est tout à fait possible. C'est quoi ces blocs là? J'ai jamais compris ce que c'était. Bref, du coup, nous allons continuer notre aventure. Là, je pense qu'il y a Bowser qui nous attend tout en haut. Nous sommes bientôt à la fin du jeu, je le rappelle. Donc, c'est parti, let's go. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? Péter tout ça. Oh fuck shit. Hop là. Tac, hop là. On va d'abord aller en haut, en bas. Je pense qu'il y a des choses en bas à faire. En tout cas, il y a des. Waouh! En tout cas, c'est sympa. Genre là, il y a de l'eau là. Oh, merde! Oh putain, mais je le savais pas ça. Genre là, il y a de l'eau et je savais pas. Honnêtement, je savais pas que je pouvais peut-être mourir de cette façon. Waouh! Ah, il y a de l'une en haut. Arrête, laisse-moi tranquille. Ouch, ouch. Ah, oh non! Ah, mais non, j'ai fait un mauvais pas. J'ai fait un mauvais pas. Et là, il y a quoi? Là, il y a des pièces. Tac, tac, tac. Parfait. Et voilà la lune. Parfait. Tain, tain. 11 lunes. Ah, au moins, on récupère notre vie, c'est ça. Tant mieux, tant mieux. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Oh putain, mais il est là! C'est un malade, cet oiseau. C'est un malade. Oh. Putain, mais je suis trop con. J'attends un oiseau. Là-bas, il arrive. Parfait. Bon, moi, les ennemis, ils... hop, on saute. Après, ce qui est bien, c'est que les ennemis, en fait, ils réapparaissent au bout d'un moment. Bon, ça, c'est... ça, c'est sympa. Tchac, dégage. Hop. Boring. Y'a pas un chose à faire avec. Y'aurait pas des choses à faire ou pas? Ah oui, par ici. Ok. Casse-toi. Oh merde! J'ai pas fait ça. J'ai pas fait attention. Ok, donc là nous arrivons à la fin. Voilà, mur extérieur. Ok. Nous arrivons vraiment. Oh mon dieu! C'est un malade ce gars. Du coup, pète-moi ces trucs. Ah, il y a une lune qui est cachée par ici. Si tu connais, si je donne un coup de bec dans la marque en haut de son crâne. Ah, intéressant. Hop là, la lune, parfait. Parfait. Et le coup de bec, ça marche ou pas? Ah oui, ça marche. On peut donner des coups de bec. Ok, très très utile. Hop là, la petite lune qui fait plaisir. Da 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 da. Du coup là y'a quoi? Là y'a rien. Oh les mais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ici Captain Toad? Ah oui c'est vrai. Salut. Ça fait tellement longtemps que je marche le long de ces toits que je me suis perdu. Piu. Mais j'ai quand même trouvé cette lune, donc c'est un mal pour un bien. Toujours un plaisir, Captain Toad. Merci mec. Ok, Captain Toad il est vraiment partout. Genre, il arrive à se mettre dans des endroits pas possibles. Du coup, la suite. Y a un. Merde, j'ai eu peur à un moment. Je croyais que j'allais prendre un dégât. Y a aussi d'autres choses ici, je pense. Pas du tout. Je pensais qu'il y avait des choses cachées ici ou pas. Mais bon, du coup, c'est parti. On va continuer notre aventure. Alors là, il faut qu'on escalade cette pente. Waouh, c'est trop stylé. Tac, tac, tac. Tac. Ok, parfait. C'est sympa ces petits piafs. Oh, j'adore ces piafs. Ils me font rire. Ok, on a réussi. Merde, oh putain.
Oula. Oula. Parfait. Hop. 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 Voilà. Nice. Yes. Du coup, la suite. Oh mon dieu, mur intérieur. Wow, comment j'ai fait ça? Je peux vraiment secouer le Junkton et ça fait ça. C'est trop bien. J'avais complètement, je savais pas que je pouvais faire ça. Waouh, je savais pas que je pouvais faire ça, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Fuck the shit. Ok. Y'a pas grand chose ici. Ok. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Merde. Fuck. Fuck. Ah, viens là, toi. Bon, il faut grimper encore un coup. Merde. Yahoo! Ok, bon, c'est super. Honnêtement, je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais ça rentre bien. Casse-toi, pied du donjon. Alors, est-ce qu'il y a des choses ici ou pas? Oh, mais il y a forcément des choses qui sont cachées par ici. Alors, la suite, est-ce qu'il y a des choses ici ou pas? J'espère qu'il y a des choses cachées au moins. Bon, là, on arrive à la fin, les gars. Nous y arrivons, nous y arrivons. Et là, il y a quoi? Il y a vraiment rien de ce côté-là. Bon, je pense que je vais pas passer mon temps à passer. Hein. Je fais comment pour passer? De cette façon, on pouvait aussi. Ok, let's go. Hop là. Et là, nous arrivons au sommet. Waouh, Bowser qui arrive. Salut Bowser. Et là, vous allez peut-être vous dire que c'est le combat final, enfin. Nous sommes si proches du but. Tu arrives trop tard. Nous allons nous marier sur la lune. Oh, moi, haha. Ah oui, mais attends, je me rappelle de la fin. Ah oui, oh oui, la fin, elle est extra, elle est extra. Bon. Alors, écoutez, les gars, dans la, à la place de Mario, je serais mort, hein, je pense. Hein. Je pense que tu mets n'importe quel humain dans cette situation-là, tu meurs, quoi. Tu meurs, quoi, de cette façon-là. Oh my god. Bon bah ils sont partis là. Ils nous laissent avec un boss. Oh. Et donc du coup le boss c'est les 4 Blue Dolls qui sont en train de contrôler un robot. Oh putain, un robot énorme. Ah oui, je peux rien faire avec ces bombes. Oh yes. Ah oui, je sais comment faire pour le... Vous prenez position de cet oiseau-là et vous lui envoyez les bombes dans les pattes. Comme ça. Genre ça marche. Hop là. Yes. Ah oui, ça c'est sympa. Il suffit de monter de cette manière-là. Hop là. Et parfait. Du coup là, on reprend une forme normale et on fait ça. Dans le mille, voilà. Donc c'est un boss, très bien. Ouais. De cette façon, on peut l'attaquer. Du coup c'est bien. Bon d'accord, tu vas pas faire grand chose gros. Pas de bombe, pas de bombe. Bombe, oiseau. Oh my god, casse-toi. On part, on part, on part. Oula. Oh mon dieu. Honnêtement j'aimerais pas trop mourir en vrai. Attendez. Merde, je suis trop stupide. Yes, c'est bon. Ouais j'ai perdu un cœur, désolé. T'es mort. Voilà. Continue comme ça.
Là-bas, y a une pierre qui... Qu'est-ce que... Oh! Qu'est-ce qu'il va faire? Ouf! Mon dieu. D'accord. Je pense que c'est sa pire attaque, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, il court, mais n'importe où, il court partout, c'est... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des cercles, ok. Des cercles que je ne suis pas censé... Ah, l'oiseau, l'oiseau, l'oiseau. C'est bon, c'est tout bon. Maintenant, il s'agit de viser juste. Envoie tes bombes là. Parfait, envoie tes bombes là. Putain, mais il y a les cercles là qui m'empêchent en fait de les attaquer en fait. Oh là là, ces cercles magiques qui m'énervent. Ah, je suis proche de la défaite là. Ouais mais mec, qu'est-ce que tu veux que je fasse ces cercles de merde? Hop là. Parfait. Bon, du coup là, qu'est-ce qui va se passer? Oh mon dieu, mais mec, il est vraiment insupportable. Genre ces cercles, ils m'énervent ces cercles, hein. C'est les pires cercles du monde. Parfait, c'est le moment. C'est bon. Bon évidemment là je peux pas faire grand chose. Est-ce que ça marche si je fais ça? Oh oui ça marche. Je peux envoyer les cercles. Non. Non non non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Ah c'est compliqué, je veux pas mourir. Je veux pas mourir gros, je veux pas mourir. Envoie tes... Ah non. Ah. Oh mais c'est trop dur. Quoi? C'est une blague. Le boss il dure une éternité. Je suis désolé les gars. Non mais c'est une blague gros. Mais non, mais c'est une blague! Fucking oiseau de merde. J'arrive pas à viser. J'arrive pas à viser. En plus, là j'ai un cœur là. Donc là, c'est-à-dire que j'ai pas envie de recommencer en fait le boss. Ce serait quand même con que le boss recommence. 1, 3. Yes, enfin! Enfin! Bah voilà, c'était pas compliqué. Enfin! Hop là. C'est bon. Toi tu crèves. Oh, oh mon dieu, ce boss était ce boss est très dur. Honnêtement bon, tant mieux hein. Avec le feu d'artifice des 3 des 4 blue darts. Yahoo. Bon voilà notre petite multilune, toujours un plaisir. Grabuge au château de Bowser. Bon, le jeu est terminé. Pas du tout. Cette crapule de Bowser a mis les voiles vers la lune alors qu'on était à un doigt de lui mettre la main au collet. Mais rien n'est perdu, on peut le rattraper avec l'Odyssée. Lance-moi sur le globe. Ok. C'est parfait. Ah, il en fallait 8. On en a 16, le double. Bah, parfait. Ce qui fait en tout 234. Et voilà. On a enfin l'Odyssée. L'Odyssée au complet, quoi. Genre la
On a le ballon au complet, en gros, si on peut dire comme ça. Ok. Parfait. L'Odyssée a atteint sa puissance maximum, maximale. Yes, du coup, en fait, avec cette propriété, bah, l'Odyssée peut enfin aller à la Lune. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est incroyable. Bowser ne nous échappera pas, on le poursuivra jusqu'au pays de la Lune. Allons-y pour les beaux yeux de nos demoiselles. Bon, écoutez, les gars, voilà un peu tous les pays qu'on a fait. C'est pas mal en vrai. Hein. On a eu en gros. Là, c'est le 14e pays. Et le pays de la Lune. Bon, let's go. Et en gros, le pays de la Lune, c'est le dernier. C'est le dernier pays du mode aventure, en tout cas. Vous allez voir. Hein. Ah, et Mario est super classe comme ça. On habite en mode habit de mariage. Yes, parfait. Bon, bah c'est parti. L'Odyssée va atteindre la Lune. En plus, l'Odyssée, il a une forme de chapeau. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Pays de la Lune, cratère, lune de miel. Waouh, c'est quand même beau le pays de la Lune, n'est-ce pas? Ah oui, un truc qui est super bien. Lune de Fiel au mariage de Bowser. Oh, et puis oui, ça c'est le château de. Oh mon Dieu, ça c'est un château, c'est le château de mariage là, c'est. Tu es beau comme un prince comme ça. Nos demoiselles sont là-bas, aucun doute, dépêchons-nous. Bon, écoutez les gars, bienvenue au pays de la Lune. En étouffé, oui, en fait, on saute très très haut. Genre, c'est vraiment du n'importe quoi. Du coup, ce qu'on va faire, les gars, c'est que. Oula, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Avant d'entrer dans le château, on va visiter d'abord tout ce qu'on trouve. Bah, alors, déjà, tout en haut, là, le truc, là. Tout en haut, ces trucs. Oui, et puis les doubles sauts énormes qu'on peut faire. C'est pas mal. Ouais, puis là ça va tellement haut, genre les trucs là. Ah oui, on a encore une lune. Non! Non! Non, mais les gars, mais. Non, tu vas me faire ça, les gars. Laisse-moi aller en haut. Ok. Yes, ok. Scintillante dans le ciel lunaire. Combien de lune il nous faut à peu près? Réservoir lune plein. Ah bah tant mieux, tant mieux. Tant mieux alors. Bon bah voilà les gars, le pays de la lune, hein. C'est quand même beau, n'est-ce pas? C'est très très beau le pays de la lune. Hein. Bah, bienvenue au pays de la lune. Des carcasses de partout. Ça c'est quoi? Ça c'est encore le. Ah non, mais ça c'est le. C'est des blocs qu'on trouve de partout qui sont vraiment bizarres. Hop là, on pète les monstres. Waouh. Non, pas du tout ce que je voulais faire. Oh! Sérieusement? Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ces 6. Ça faisait longtemps. Yahoo! Du coup, on va visiter pas mal de choses d'abord. Juste chose que j'aimerais d'abord me souvenir. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ces mobs? Merde. Ah ouais, mais attends, je fais comment pour sauter? Attendez, on va sauter comme ça. Parfait. Bon. Oh mon Dieu, mais c'était un ennemi, mais surpuissant. Hein. Ah, il y avait un truc par ici que j'ai pas pu voir. Oh mon Dieu, mais j'ai loupé tellement de trucs. Salut petit lapin. Hop là, touché. Bon, c'était plutôt facile, hein. Mais qu'est-ce que foutent des lapins sur la lune, honnêtement les gars, expliquez-moi. Que foutent des lapins sur la lune?
Faut comment pour aller tout en haut? Mais forcément un moyen d'aller tout en haut. Ah oui, mais le saut mirage, c'est trop stupide. Regardez, même le saut mural, c'est incroyable. Salut! Truc de voyage, plongeon. Vous n'arrivez pas à sauter assez loin? Lorsque vous êtes dans les airs, maintenez et appuyez sur Y pour plonger, vous arriverez beaucoup plus loin. Ah, ok. Tac, tac, tac. Ah oui, là on peut voir la Terre, c'est... Décidément, notre petite planète est vraiment jolie. Par contre, la Lune, elle se situe pas à cette distance de la Terre. Hein. Genre, dans la vie réelle, elle peut pas se situer à cette distance. Hein. Genre honnêtement c'est pas... Bon on va aller par là-bas parce que je sais que... Oh putain, j'ai eu chaud. Alors... Ah oui, puis même en 8 bytes on... Même en 8 bytes on... Ok parfait. Ta-da-ta-ta-ta. Contre la falaise. Ah yes. Merde. Ah c'est bon. J'arrivais plus trop à remonter. Oui. Ah oui, il y a aussi autre chose que je voulais voir, c'est derrière. Vraiment aller comme ça, c'est bon, c'est parti, c'est pratique pour se déplacer honnêtement, c'est sympa. Oula, j'ai failli encore me faire avoir. Alors bon, on va s'approcher un peu plus du château, qu'en pensez-vous? Alors attends, là je vais faire comment pour passer par ici? Oh mon dieu, attends, je suis pas prêt là. Ah, il faut croire que j'ai réussi, c'est bon. Parfait. Ok, ça c'est bon. Il y a un truc cassé par ici, hein, je pense. Enfin, je suis pas sûr, mais... C'est vrai que ça fait quand même bizarre. Alors. Ok. Ah bah une lune, bah parfait, bah merci hein, beaucoup. Hein. Dans le coffre de la falaise, yes. Donc on va revenir là. Oh fuck. Ah. J'ai bien fait de regarder derrière. J'ai bien fait de regarder derrière. Ah d'accord, je peux pas aller si haut que ça. Oh putain, j'ai failli y tomber. Oh my god. Des rochers comme ça. Attendez, je vais d'abord tuer ce mob là, bizarre. Hein. Hop là, prends ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est un truc avec les long jumps, non? Allez, 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 allez. Je peux y arriver. Yes. La petite lune est à moi. Ok, bon. Oui. 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 Bon, ça c'est fait. Là on peut aussi, est-ce qu'on peut faire ce jump ou pas? Attends, j'ai envie de le faire honnêtement. Genre ça me plaît. Attendez. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon bah je suis mort, ça qui est plaisir. Ça, quel plaisir. Ah bah, de cette manière, on pouvait. Hein. Parfait, mur du silence. Alors, toi, tu vas crever, mon gars. Prends ça. Merde. Hop là. Ok, ça c'est bon aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses derrière ou pas?
derrière forcément. Ah, notre ami le sphinx. Comment ça va depuis tout ce temps? Comment ça va? Salut. Salutations voyageurs, à toi et au couvre-chef qui t'accompagne. As-tu des réponses car j'ai des questions. Est-ce vraiment le moment pour toi de m'assommer avec tes réponses? Non. Exactement, cool porteur de bonnes réponses. Tâche plutôt d'accomplir ce qui doit l'être. Ok, tâche d'accomplir ce qui doit l'être. Ok. Bon, écoutez les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un max de likes. Donc là, nous avons. Nous sommes dans la lune en fait. Enfin, sur la lune en tout cas. C'est. Qui aurait cru qu'en fait un monde de Mario serait sur la lune? Honnêtement, ce trou ne me dit rien qui vaille. Du coup, en fait. Bon, après, on va passer ce trou. Et on va arriver tout en haut, là où il y a le château. Mais voilà, voilà. Du coup, les gars, je vous dis au revoir et à très bientôt. Je pense que le 19e épisode sera le dernier. Je pense, en tout cas, c'est sûr. Voilà, sur ce, les gars, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Super Mario Odyssey. Ciao, ciao!